Hello les smilettes, et ben voilà, premier vlog, le premier vlog ça va être consacré à Kaline. Je me lève, hein, ouais, je me lève, voilà, je te bouscule, tu te réveilles pas. Si, bon bref, ça y est, donc c'est le jour où je vais aller chercher Kaline. Donc je vais aller déjeuner, et puis aller me doucher et prendre la route. Je suis trop trop excitée. Cinglé quoi. Donc je vous dis à plus. Bon allez, c'est parti, on va aller prendre la petite douche, la grande douche pour se réveiller. Et puis on se retrouve une fois que je suis prête. Ok? A plus! Ça y est, je suis prête, fini la douche, fini tout ça. Et du coup là, je suis en train de préparer tout ce qu'il faut. Je vais mettre mes petites lunettes là, je vais nettoyer. Petit cadeau d'anniversaire de ma petite nénette. Boîtier à lunettes, et puis du coup voilà, je vais aller charger la voiture, et puis I go. Ça y est, je suis dans la voiture. Bon bah c'est bon, j'ai un petit peu le trac, hein, parce que bon là je vais faire 2h30 de route puis seule, donc là je pars toute seule vu que Frédéric était malade, enfin est malade, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à plus, peut-être pas sur la route hein, mais peut-être plus tard. Heureusement que j'ai ma pote Sia hein, qui m'accompagne, hein, parce que je peux vous dire que c'est... Non. Ah ouais, t'entends le bruit de la route et tout, enfin, l'autre quand t'es sur l'autoroute, j'ai baissé un peu la prochaine. Déjà, je sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit de la route, mais c'est pénible quand on entend tout le temps, quoi. Donc, tu remues un peu aussi tes jambes et tout, pour pas que ça reste engourdi. Et puis, t'as tellement l'excitation, l'adrénaline et tout. Génial quoi. Voilà, je suis Équiculant et née le veille. Je connais pas du tout. Il y a peut-être des smileys qui vont se reconnaître là. Mais bon, on pourra pas se voir. Hein. Voilà. Donc la route, je suis préparée avec Tic Tac. Avec Mentos. Avec de l'eau, bien évidemment. Et j'ai oublié mon thermos de café. Donc si je vois que j'en ai un petit peu marre, je m'arrêterai. Bien une station, ils vont bien m'offrir un petit café gentiment, hein. Coucou, je suis Zudine, une youtubeuse. Je voudrais un petit café gentiment. Donc voilà, bon, j'ai appelé Gracia, du coup elle était contente, elle me dit j'ai zoomé. Oh l'erreur, oh là 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 là, mais je rezoome. Elle était contente du coup, attendez, parce que là je fais tout en même temps, c'est n'importe quoi, c'est même dangereux. Voilà, je me recale. Elle était contente en fait que je vienne, donc elle me dit t'es sûre que tu prends la route seule, parce qu'en fait pour vous dire j'étais malade. Et bon, j'y suis encore un peu, hein, j'ai les jambes un peu courbaturées, donc syndrome grippal. Et Frédéric, grippe intestinale, donc super. Du coup c'est pour ça qu'il n'est pas non plus là. Et son fils, bah, il est malade, voilà. Et du coup j'ai dit non mais là... faut que j'aille chercher Kaline, quoi. Je ne peux plus attendre, je veux trop voir aussi Gracia. Donc en plus je suis en vacances, je reprends samedi. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que je vous posterai ce vlog. Vous aurez sûrement vu Kaline bien avant sur Snapchat et Facebook. Mais bon, pour toutes mes abonnées, donc voilà. Et hop, on va doubler le camion. Voilà quoi. Donc on se retrouve plus tard. Hein, je vais me concentrer, j'ai bloqué la caméra, mais c'est franchement pas facile de conduire, de tout faire, même si c'est sur l'autoroute, et voilà, je vous reprends plus tard. Hello, hello. Bon, apparemment, je vais bientôt voir des volcans, les volcans d'Auvergne, apparemment, je vais bientôt les voir, mais je vois que des vaches. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là, et
boire un petit café. Apparemment, il y a un herbe de ah, bah, qui s'appelle les volcans d'Auvergne. Bah, c'est pas mal ça. Je pense que je vais faire ça, dégourdir un peu les gens. Ouais. Allez, bisous, bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc il y a deux caméras. Bonjour. Il y a... Bonjour. Il y a notre Justine qui est la fille voilà. de Gracia. Donc il y a ma caméra pour ma chaîne et il y a et la caméra. Ma caméra là pour ma chaîne. Voilà. Donc Sandrine est venue simplement pour venir récupérer sa petite toutoune, voilà. Camille. Elle devait venir lundi, mais son chéri était très malade. Ouais. Bien malade, donc elle est venue toute seule. Voilà. Tant pis pour lui, hein. Voilà, on a bien profité, tant pis, tant pis. On a bien mangé. Et si tu vois cette vidéo-là, Fred, tant pis. Voilà, et puis on a juste nous a fait un coup. Ben, c'est lui ah celui oui. qui a cuisiné, c'est pas. On a bien mangé, puis on a mangé un bon gâteau au Nutella. Ouais. Avec de la crème anglaise. Miam. C'est trop bon. Merci, Justine. Voilà. On a passé un bon petit repas tranquillement. Vraiment. On a passé un bon petit moment, c'était sympa. Ouais. Donc là, il est quelle heure? Il est. Je ne sais même pas. Il est 5 heures. Non, il est 3 heures. Ouais, dans une heure, je crois. Ouais. Voilà. Donc, les petits tours. Ça va faire un petit peu de peine de. Ouais, ça va faire drôle. Hein. Voilà, tout ça, c'est la vie. Hein. Je sais que je verrai tous les lundis. Donc, viens m'en aller avec toi. Et d'ailleurs, en parlant de café, ouais. Hein, on ne change pas. Hein. Moi, j'ai tisane. Voilà. Oui, toi, tu es. Moi, je suis tisane. Moi, j'y pisse mémé. Voilà. Donc voilà, donc en fait, je voulais faire connaître des choses de ma région à Gracia. Ouais. Et du coup, Gracia m'a offert aussi des présents. J'avais envie de faire connaître mon Sephora. Mon Sephora. Et j'espère bien y aller parce que dans le mien. Non, c'est non, là, ça. Pas Sephora parce non, que j'ai non, pas pu, j'avais pas pu y aller. Mais donc là, c'est. Disons que comme c'était son anniversaire, j'avais envie de lui faire un petit cadeau tout simplement. Un petit 40 cadeau. Ans, ça se fête. Hein. Ah oui, des beaux cadeaux. Hein. Ouais, voilà. Tu commences? Allez, je commence. Allez, vas-y. Alors, j'ouvre les paquets. Alors, première chose. Faut pas en abuser. Alors, c'est du vin blanc. De Quincy. C'est du vin C'est dans 36, mais ouais. Non, c'est du blanc blanc. C'est du blanc sec. Ouais. D'accord. Donc, c'est juste à côté quand même de chez nous. C'est quand même un vin qui est connu. Oui. Et c'est sympa. Enfin, je ne connais pas. Bon. Vous allez discuter, déguster avec ce week-end. En fait, le vendredi, quand il arrive, on s'ouvre toujours une petite bouteille de champagne, un petit vin blanc et nickel. Voilà. Donc, merci. Tiens, sauf ton assurance. Voilà. Ouais. Ensuite. Ah, mais ça, voilà. C'est voilà. La ville d'à côté. Voilà. Donc, toujours. Alors, c'est la ville de. Rueil. Rueil, Quincy, c'est du vin rouge. Rouge ou rosé, ouais. Je ne sais pas du tout là, ce qu'il a pris. Ouais, et du coup, ces deux exploitants, enfin ces deux villes où il y a des vignobles, de toute façon, ils sont très connus. Donc Rueil ou Quincy. Bon, ben, donc, voilà. c'est mon mari qui est connaisseur, qui c'est lui qui choisit les vins, donc on les dégustera ensemble. Ensuite, elle va offrir des petites tuiles de pâtisserie du Burry. Du Berry. Mais t'es pas Berry Chaumont, non. C'est chez moi, c'est Berry. C'est mon patois, c'est le Berry. Pour des petites tuiles aux amandes. En fait, je sais. Tu veux
Comme tu veux. Maladine, c'est elle qui veut goûter. J'adore les petits tubes, c'est bon. Ouais. C'est bon. Vous vous demandez ce que je fais là, les gens? Non. Tu sais, je peux pas goûter ton thune. Non, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est vrai que c'est. Vrai, c'est vrai, c'est moi, bon. Je pouvais. Moi, j'aime bien. Un petit dégustateur. C'est bien. Ce qui fait que c'est tombé. Pas vraiment. Avec le café, c'est délicieux. Avec la terre, très bon. Mon mari aussi va s'éclater. Mais c'est bien parce que. C'est un gourmand aussi. Pourquoi il aime bien être comme ça? Mon mari, voilà, tu l'as jamais vu. Il est à table. Il mange pour 4. Ah, je vous dis ça. Il adore, mais. Mais bon, moi le week-end, c'est convivialité, c'est repas. Hein, je fais un bon repas, j'adore. On reste longtemps à table. Hein. Bah ouais, moi, c'est ça. Surtout qu'on se voit pas la semaine, donc quand il arrive, c'est vraiment, on ne regarde pas la télé en mangeant, on n'allume pas la télé, donc vraiment, on profite, quoi. C'est ça qui là, c'est là. Du salé. Du salé, ah ouais, ça, c'est pas mal, ça, pour l'apéro. Mm-hmm. Et donc, c'est toujours de Berry. Berry. D'accord. Tu connais pas l'expression « Hasta gallo, ma pauvre Sandrine » ? Non. Désolée. L'eau en fait c'est la pluie, donc quand il va vraiment, tu penses à moi, quand il va pleuvoir vraiment quelque chose de fort, on dit hasta gallo. Chez toi on dit quoi au niveau des patins? Tu dis patins, chaussons? Patins. Non. Patins c'est les chaussons, les patins, pas les chaussons. Non, patins. Oui, c'est des patins, un pochon, tu sais ce que c'est, pochon? Non. C'est un sac. Ah oui, tu vois, moi j'ai un sac. Bah voilà. C'est pourquoi se compliquer la vie. C'est du délire. Tiens, pas pour ce partage. Donc ça, ça a l'air bon par contre. C'est vrai, hein. Ouais, vas-y, mange le milieu, toi, moi je connais, moi. Moi j'aime bien. C'est au chef. Ah bah je vais en prendre un alors. Ah. Le crottin, chabignol, tu connais les crottins. Ah, ouais, c'est bon. Ça, c'est délicieux. Moi, j'aime bien. Moi, je suis pas très, en fait, sucré. J'aime bien le salé. Moi. Ah, le salé moi, je savais pas que on parle pas trop. Non, moi, je suis plus charcuterie, plus viande, plus. Moi, je serais bien avec Fred. Bon petit plat. Oui, il aime bien charcuterie, fromage. Oh, le fromage. Fromage. En vanille. Ouais. Que moi, je suis une bouche sucrée. Et puis, je suis gamine. Ouais, moi, ouais, j'aime bien, hein, je parle. Les gâteaux de pâtisserie, je sais pas trop mon truc, par contre les gâteaux maison, j'adore. Alors, ensuite, encore saveur de marais. C'est pas du même endroit. N'oubliez pas celle-là. Ouais, on va pas les ouvrir. Voilà. Non, ça me non, alors non, marais, c'est à côté de Bourges. D'accord. Donc, t'as les. Comment t'appelles ça? Les. Le canal, les trucs de marée, oh je me souviens plus, je l'ai sur Google. Ça a l'air bien bon aussi. Ouais, il y a plein de choses, donc il y a des sablés, il y a des croquants, il y a des tuiles. J'adore les tuiles moi. C'est bon aussi. Ah, c'est bon. Ouais. Et les croquants bon. Avec les amandes là, c'est le meilleur. C'est super. Je suis contente. Merci beaucoup. Est-ce que ça va finir? Sablé, crottin de chevignon. Ça je l'ai bien aussi. Mais tu vois, on vous dit. Apéro avec le blanc. D'accord. Avec le blanc. Ça, ouais. Oh, j'aime bien. Mais elle est attentive, hein. Ouais. Elle va gagner le papier qu'il faudrait bien enlever. On va faire le même. Ouais, je sais. Ça va ? Le fromage. Oui. J'aime bien le fromage. Ça va ? Merci. Allez. Déjà, c'est sablé, hein. Crottin chez lui. Oui, c'est vraiment très bon. C'est délicieux. Moi, si je te renvoie un colis, je te remets dedans. Ah ouais. Ça change des gâteaux sucrés. Ouais. Ça change des trucs. Ah oui, oui, oui. Sans sablé. Ah ouais, c'est délicieux. Sans sablé. Mais ouais. Ouais, j'adore. Hein. Et en plus, le pire, je sais pas si toi, mais chez nous, ces trucs-là, on les mange pas. C'est de chez nous, si tu veux, donc on les connaît, on n'a pas spécialement l'habitude. On va plus aller chercher dans ce qu'on n'a pas justement par chez nous.
Et j'avais une abonnée qui m'avait envoyé du nougat anti-lima. Ça, c'est bon aussi. Ouais, Stéphanie, tu passes par là. J'ai eu la Belgique aussi. J'ai une abonnée, Françoise, qui m'a envoyé aussi. Et j'aime bien faire des découvertes comme ça. Mais c'est vrai que nous, on connaît. Donc, Mais c'est sûr que d'en acheter toutes les semaines, ça doit être un petit peu curant à force. Mais comme ça, de temps en temps, quand tu as un repas, quand tu as des invités, c'est génial. Bah là, oui, et puis tu fais connaître. Moi, je trouve ça bien. J'ai pas, dans les pâtisseries, là, ils font pas des trucs comme ça salés. Ils font plein de des petits fours comme ça sucrés, mais pas salés. Ouais, c'est dommage. C'est pourtant c'est une super idée. Ouais. Voilà, et puis mon petit dernier. Alors ça, c'est vraiment à côté de chez ma maman. Là, je vous ai pris les vrais parce qu'il y en a où ils mettent des pépites de chocolat dedans. D'accord. Et là, c'est vraiment les vrais. C'est aux amandes. Non, c'est nature. D'accord. Alors, ça a vraiment le goût du sablé et c'est sucré. D'accord. Ouais. Bon, là, je ne vois pas. Ouais. Je reste sur le salé. Et puis avec, ça c'est pour Pierre-Christophe. Voilà. Mon chéri, quand il va faire son petit marché le samedi. J'ai pensé à lui. Voilà, avec un joli petit sac qui est très joli. Ça voilà. Et donc du coup, moi je vais vous montrer. Donc Gracia m'a vraiment gâtée aussi. Donc voilà. Alors, je vais commencer. Donc elle m'a offert. Vas-y, tu connais ? C'est le crayon Lancôme avec le mascara Hypnose. Ah, tu as déjà testé ? Non. Non ? Ah, mais là, ce que tu m'as pris, de rien du tout. Hein. Donc le crayon col noir. Je vais peut-être avancer si vous ne voyez pas. Bon, moi, je sors la caméra, mais tant pis. C'est Juju, vous allez voir. Trop bien. Voilà. Hop. Ensuite. Ça j'adore. Moi j'aime bien comme toi les pochettes. Ouais, c'est. J'aime bien. Ah ouais, mais j'aime bien parce que mon boulot en fait j'ai un sac et j'ai plein de pochettes dedans. Je mets tous mes crayons, je mets style Mondéo, mes trucs comme ça et j'en ai plusieurs. Donc pareil. Pop and Kiss. Ils sont bien tombés. C'est silencieux, j'ai pas le cœur. Mais tu te trouves ici. C'est trop silencieux. Ça fait bien. Oh, il regarde les vidéos. T'as fait quoi? J'ai mis dehors. J'ai ouvert. Ouvrez la cage aux oiseaux. Tu as fait ça? Non, j'ai fait ça. Oh. Parce que pour la petite histoire, c'est que Gracia, en fait, elle a des oiseaux, des perruches. Et bah, Gracia, bon, c'est vrai que ça vous ça, entendez dans ses vidéos des fois. Ça résonne énormément. Voilà, ça résonne beaucoup. Et en plus, moi j'ai la phobie des oiseaux. Non, et puis on pouvait pas s'en louper. Et voilà, on pouvait pas. Je suis trop contente. Duradic Fluid Stick, le 754 Pandore. Donc, si vous suivez Gracia, vous savez que je l'appelle Miss Dior parce qu'elle adore la marque Dior. Hein. Ils font vraiment Dior Addict, voilà, c'est exactement ça. Ils font moi, je suis plus addict Marc Jacobs. Ouais, c'est vrai que t'en parles moins de Dior. Ouais. Mais je trouve que le packaging, quand même, il est mieux chez Dior. Ouais. Toi, ce que t'aimes bien, c'est la sobriété. T'aimes plus quand c'est sobre. Et Marc Jacobs, je trouve que c'est classe, c'est sobre. Ouais. Que Dior, il y a un peu plus de petit très peu féminin, fantasy, très féminin. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que Marc Jacobs, c'est quand même du maquillage. Professionnel aussi, et j'aime bien ce genre de produit. Donc je vous montre. Alors au début, je cherchais comment ça s'ouvrait, et hop, ça remonte. Et c'est une couleur qui est vraiment magnifique, qui va vraiment bien. Vraiment une trop belle couleur. Hop. Coucou, Justine. Hop, je recule. Et ensuite, grande surprise aussi, je l'ai vu, il est magnifique, et je l'ai vu sur sa chaîne dans une de ses vidéos, le grandiose mascara effet cils déployés. Et en fait, ce matin, vous verrez sur sa chaîne, dans son vlog, elle se maquillait avec le Marc Jacobs. Et je l'ai regardé en fait, parce qu'on ne voyait pas tes cils aussi longs que sans mascara. Et quand elle appliquait le mascara Marc Jacobs,
J'étais, et je lui disais qu'en fait la brosse, j'étais pas brosse souple, moi non plus, synthétique. Elle est vraiment super. Et ouais, quand je vois ce que ça fait au niveau de tes cils. Je voulais t'en sur Marc Jacobs, mais j'ai pas eu le temps d'agir. Non, mais attends, il est déjà là, c'est énorme. Le packaging, ta vigie qui était super. Ouais. Non, mon crash test, j'avais pas aimé. Oui, et après, c'est après qu'on une semaine après, voilà. J'ai laissé un petit peu et franchement, il était. Et le packaging, il est vraiment. Et moi en plus, ce que je préfère dans le. Maquillage, c'est les eyeliners et les mascaras, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ouais, il est bizarre. Ouais, elle est elle ressemble vraiment. Elle est vraiment bien. Ça... Puis elle est pas trop grosse. Je suis con. Cool. Non, vraiment trop. Voilà. Ah. C'est super. Ensuite, alors je recule. Il est chouette. Hein. Ah, c'est magnifique. Moi, ce package. Il a un beau design. Là, mais on est pareil toutes les deux au niveau des designs des make-up. D'ailleurs, on en a parlé à plusieurs reprises. Hein. Ensuite, je suis trop contente. Alors, vous savez que Gracia, c'est la spécialiste des masques. Hein, là, si vous voulez aller voir sa chaîne. Et je t'ai parlé. Déjà, c'est des masques en tissu de Sephora. Oui. Et tu les as pas Si, j'en ai. Ah bon. Mais je ne les mets pas au frigo. Donc, je vais les mettre au frigo. Ouais. Donc, j'ai plusieurs masques et vous allez les voir. De toute façon, je vais faire des crash tests. Action, donc il faut laisser 12 minutes, il y en a énormément. Donc je vous ferai même peut-être dans un lundi, viens boire un café avec moi, de toute façon on en reparle. Et je suis trop contente parce que j'aime aussi les masques. Pas autant que Gracia, mais c'est vrai que j'aime bien. Toi, t'en fais régulièrement quand même. Je fais pas tous les matins, mais une fois sur deux. Mais ça, j'utilise pas tout le temps les mêmes masques. Je n'utilise pas toujours les mêmes masques, je change tout le temps, un jour sur deux, ce sera un masque hydratant, un masque raffermissant. Toi, je change. Ouais, là, il y a pas mal de choses. Donc. Et ensuite, j'ai trois rouges éditions soufflés de Velvet. Alors, je ne vais pas vous faire les crash tests, je vous en reparlerai sur ma chaîne. Bien, ce que t'en penses. Et du coup, ouais, je dirai ce que j'en pense. Je vais même faire crash test, et puis voir du coup, parce que. Ouais. C'est des super belles couleurs et je pense que ça va aller avec même ma couleur de cheveux. C'est dans les teintes en plus. Ouais. Donc voilà. Et hop, je vais faire un toutou de la pauvre. La marque Beauty Success. Donc pareil, c'est un nude matte. Oh, j'ai déchiré le truc, donc super. Oui, le truc était collé. Donc c'est un mat et ce matin tu me disais que tu étais basée sur les mats. Tout de suite j'ai fait une vidéo favori du mois là. Et c'est un mat que tu as. Ouais, j'ai mis un mat, c'est de chez MAC. J'ai mis pratiquement dans toute ma vidéo que des rouges à lèvres. Cette fois-ci j'ai acheté plein de rouges à lèvres. Ah mais c'est bien chouette, si je connais pas. Mais le magasin était tellement petit et je n'étais pas du tout à Clermont donc je ne pouvais pas aller chez Sephora. C'est pas grave. Voilà. Tu t'es éclatée. Ouais. Moi, tu mets dans un magasin, dans une parfumerie. Mais je suis pareil, en fait, des fois, c'est même pas pour acheter, je sais pas vous, mais en fait, moi, je sais, bon, c'est vrai que t'aimes bien acheter, mais c'est surtout comme là, le packaging, je veux dire, quand on voit des packaging comme ça, c'est tester, c'est regarder sur toutes les coutures, c'est toucher, c'est pas y aller. T'as envie d'en prendre soin. Ouais. Ah oui. C'est quand... Mais c'est vrai ce que je dis. Quand par exemple t'achètes un produit qui coûte 1 euro, après ça reste personnel, mais tu vas pas le couper. Non, tu vas pas en prendre. Non, mais je te comprends, tu vas pas en prendre soin autant. Mes maquillages, tous mes palettes, elles sont toutes dans des. Je les. Tu m'as pas montré tes palettes. Ah non, mais je repars pas sans avoir vu tes trésors de palettes. J'ai vu les pinceaux, je vous jure, quand t'as dit qu'elle est fan, elle est fan. Hein. Oh, c'est. Ouais, il faut c'est génial. Mais voilà, elles sont, c'est vraiment une. Pour moi, c'est. Pour d'autres personnes, c'est le golf, pour d'autres personnes, c'est le tennis. Moi, j'adore les palettes, j'adore les pinceaux, j'adore le maquillage. Et quand j'achète un bon produit, j'essaie d'en prendre soin parce que je trouve ça pour que ça dure plus longtemps et pour que ce soit beau. Enfin, c'est beau. C'est clair. Non, c'est chouette. J'aime bien, quand je suis dans ma pièce, c'est l'endroit où je suis. Je te comprends. Je me détends, tu vois. Ouais. C'est la pièce qui est à moi. Puis tu trifouilles, puis tu retrouves des choses que tu as mis et tout. Tu dis, tiens, ça fait longtemps. Puis hop, tu réutilises et tout. Ouais. Et c'est ça que je t'avais mis en dessous une vidéo. C'était, je me souviens d'une ancienne. T'habitais pas ici. D'une ancienne vidéo à toi. Quand tu as commencé à acheter les monos de MAC. Oui. Elle date, cette vidéo-là. Et je me souviens, tu n'étais pas du tout MAC, du tout. Non. Puis d'un seul coup,
Bah, on change, c'est ce qu'on disait ce matin. Bah, j'avais jamais essayé, donc je pouvais pas. Ce que j'aime pas dans les produits de chez MAC, c'est le packaging, parce que c'est du maquillage professionnel. Et moi, je suis sensible au packaging. Voilà. Moi, je sais que quand j'amène un rouge à lèvres dans mon sac à main, en voiture, que j'ai envie, je m'arrête à un feu, et j'aime bien en fait avoir un rouge à lèvres avec un beau packaging, parce que je le sors, pour moi, c'est un bijou. Ouais. Tu vois, et voilà, je préfère avoir un vernis à ongles, un rouge à lèvres, plutôt que d'avoir 15 rouges à lèvres qui... Enfin, c'est... Tu comprends ? Je sais pas ce que je dis. Non. Et voilà. Non. Bon, parce que c'est parce que ça me plaît, c'est tout. Hein. Ouais. J'adore, donc voilà. Quoi. Ouais. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu... Mais pour Mac, après j'ai testé les produits de chez Mac, c'est vrai que c'est, il y a plein de choses, les pinceaux sont formidables, ils sont charmes, ils sont super, les fards, ils sont super aussi, j'aime bien. Après, j'ai pas de magasin de Mac ici, c'est pas évident, moi j'aime bien tester, j'aime bien aller. Et j'y suis allée plusieurs fois dans un magasin Mac quand je suis à la Paris. Oui, mais ça doit être fade, non ? Ça te fait pas... Le magasin est tout petit, il est, il y a tellement de rouge à lèvres, il y a tellement de choix que du coup, tu sais, à chaque fois je repars, ça rien parce que je ne sais pas quoi choisir. Lequel Mac ? Bah, celui à Lyon, par exemple. Celui à Lyon. Ou à Paris. À Paris, ici, aux Champs-Élysées, il y en a un. Et même chez Sephora, aux Champs-Élysées, il y a un... Voilà, on a passé un bon moment, c'était bien sympa. Ouais, ça passe trop vite parce que ben, là, je vais la foutre dehors. Hein. Ouais. Elle va reprendre la route. Je suis déprimée, je vais être comme ça. Là, attends, tu ne vas pas déprimer, tu vas discuter pendant tout le trajet avec ta petite toute. Va dormir. Non, mais je suis contente, puis c'est vrai que ça fait... je pensais que ça faisait loin, mais ça fait pas si loin que ça. C'est 2h30. Ouais. T'as fait vite en plus, hein. Pourtant, j'ai. Normalement. Ouais. Il n'y a que là, je ne serais pas venue toute seule jusqu'à chez toi. Ouais. Là, d'ailleurs, je te travaille. Ouais. Donc voilà. Bah, moi, je vous fais plein de gros bisous. Aussi, plein de gros bisous. Voilà. Aussi. Gros bisous. Bon, et à bientôt. C'est la première fois que je fais un vlog. Ouais. Bah, moi aussi, hein, là, ce sera un vlog. Hein. Un vrai vlog, voilà. Un vrai vlog. Et puis, là, je ne sais pas, il va falloir que je monte, que je poste. Du coup, il faudra qu'on voie ça. Ouais. Est-ce qu'on va mettre ça? Moi, j'essaierai de la mettre. Je vais commencer à y mettre ce soir, peut-être, ou demain. Moi, demain. Moi, je voudrais mettre ma vidéo fin journée parce qu'on est quand même le. Combien? C'est favori mars? Oh, oui, il faut que tu la mettes. Ouais, là, c'est. Mais bon, on mettra ensemble. Comme ça, vous verrez sur chacune des chaînes. Il y aura les liens en barre d'infos. Voilà. Comme ça, vous verrez. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Ouais, moi aussi. Gros bisous. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Le retour s'est très bien passé. Caline a dormi pratiquement toute la route. Elle a eu peur par contre du bruit au niveau de l'autoroute quand on s'est arrêté sur l'aire de repos. Et là, j'arrive chez mes parents. Donc, du coup, Lily va la découvrir. Donc, ça va être la surprise. Donc, j'ai trop hâte aussi qu'elle la voie. J'arrive même plus à conduire. Là, je suis un peu fatiguée. En plus, avec syndrome grippal, j'ai quand même tenu le choc. C'est bon quoi, le L52, je vous le conseille les filles, je vous le conseille. Donc voilà, donc je vous reprends juste après. Lisa, viens voir maman. Coucou. Ça va? Oui, bonjour tout le monde. Regarde ce que je te ramène. Je te présente Caline, ma nénette. Allez, va la chercher. Elle vient de faire toute la route. Bon ma Gracia, tu voulais voir, voilà. Hein. Tu me débrouilles, tu fais des bisous.
que tu la prends comment? Elle est toute petite? Non, mais je vais la sortir. Par contre, je vais aller aussi la donner à mamie pour qu'elle la fasse sentir à Eden. On ne voit plus, ma chérie. Tu la vois? T'as vu ça? Donc voilà, Caline. Tu fais un petit bisou à Gracia, loulou. Merci, Gracia. Bon, allez, je vous laisse, les filles. On va se retrouver un peu en famille.